Ciao a tutti, coucou à tous. Que ce soit en vacances, au travail ou dans tout autre environnement, il vous arrivera probablement de rencontrer des Italiens. Alors que fait-on la première fois que l'on rencontre une personne que l'on ne connaît pas? On se présente bien sûr. Voyons aujourd'hui comment se présenter en italien. Vous êtes prêts? C'est parti! Première question évidente. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Mi chiamo Aurélie. Sono Aurélie. En français, je m'appelle Aurélie. Je suis Aurélie. Une deuxième question pourrait être Quanti anni hai? Quel âge as-tu? Ho 35 anni. J'ai 35 ans. Et puis, on pourrait nous demander Cosa fai nella vita? En français, que fais-tu dans la vie? Insegno l'italiano. J'enseigne l'italien. Voyons maintenant les questions que l'on peut poser pour connaître la provenance de quelqu'un. Et voyons également les réponses correspondantes. Les questions pourraient être Dove vivi? Dove abiti? En français, où vis-tu? Où habites-tu? Et l'on répondrait Vivo ad Asti. Abito ad Asti. En français, je vis à Asti. J'habite à Asti. Et puis, on pourrait également nous demander Di che nazionalità sei? Qui veut dire De quelle nationalité es-tu? Et la réponse serait Sono francese e ho origini italiane. Ce qui veut dire Je suis française et j'ai des origines italiennes. Un élément important à prendre en considération, lorsque les Italiens se saluent ou se présentent, ils préfèrent se serrer la main plutôt que de faire la bise. Voilà, la vidéo est terminée. Vous savez maintenant vous présenter en italien. Si cette vidéo vous a plu, mais que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Aurélie en Italie sur Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt! Ciao, ciao!